Ford dévoile son grand SUV, le Edge, un format de 4,81 m, soit l'équivalent d'un Volvo XC90 ou d'un Volkswagen Touareg. Ce sera le véhicule qui va coiffer la gamme SUV Ford, qui est composé de l'EcoSport et du Kuga. Un modèle destiné initialement pour le marché américain, mais que Ford va décliner sur l'ensemble des marchés mondiaux. On voit l'inspiration américaine de par le design, une calandre chromée, un poil clinquant, mais c'est dans l'esprit. La marque ambitionne une qualité premium que l'on n'a pas vue sur cette pré-série, et en termes de prix, ça ne se retrouvera pas non plus, parce qu'il sera proposé bien moins cher qu'un Touareg, par exemple. La marque parle d'un positionnement produit autour d'un Volvo XC60. À bord, on retrouve une interface tactile de grand format et puis des éléments numériques autour du tachymètre qui lui est analogique. La console centrale a perdu pas mal de boutons, tout est relié dans l'interface tactile, quitte à ce que ce soit parfois redondant. Il y a des boutons de commande de climatisation et de siège chauffant qu'on retrouve à la fois en tactile et à la fois en analogique. Thank you.